dans de bonnes conditions. Dante Cunningham, expert dans l'art du contre. En Betclic Elite, la montée Elmer pour le premier shoot et la réponse orléanaise. Et physiquement, s'il est à 100%, il fait très mal. Et voilà, Dante Cunningham face à Youssou Ndoye. L'avantage de taille pour Youssou Ndoye. Joli. Et ça. De Sodom qui n'a pas raté grand chose hein, pour l'instant ce soir. Et là, premier shoot. Et ça trappe sur Chris Warren. Ça libère forcément un petit peu d'espace pour retrouver Malela Mutualé à 3 points. Joli, joli. C'est joli, c'est bien fait. Performance, exécution et spectacle en même temps. Effectivement, c'est magnifique ce que nous offrent les joueurs d'Alric Delors, même si là Dali est trouvé tout seul dans le corner à 3 points. Attention, ça fait deux shoots ouverts trouvés par les Orléanais. Enzoli qui n'a pas encore son nom derrière son maillot, pourtant c'est son deuxième passage à Orléans cette saison. Il a bien trouvé Youssou Ndoye qui claque ce dunk très facilement. Chris Warren, le voici justement, il est loin du panier Youssou Ndoye, on va retrouver Malela Mutualé à 3 points. Eh bien, faut pas trop lui en laisser. Jérémy Enzoli qui s'est mis derrière la ligne. Et il prend le shoot face à Dante Cunningham, il le met. Voilà l'expérience, voilà ce que peut apporter Jérémy Enzoli. Ah, il y a un gros travail défensif qui est fait sur... Un gros travail défensif qui est fait sur Youssou Ndoye pour éviter de trouver des positions faciles. Et du coup, c'est Malela Mutualé qui doit y aller tout seul et qui fait le boulot. Et Bamforce qui est revenu défendre sur Singala Mata. Malela Mutualé à 3 points. Je retire tout ce que j'ai pu dire sur Malela Mutualé. Il a aussi joué que 6 minutes jusqu'à présent, un petit peu moins de temps de jeu. Après, j'ai envie de dire, c'est pas grave parce que ses autres coéquipiers répondent présents offensivement. Le tir était compliqué, bonne défense de Tashaun Thomas sur Youssou Ndoye et Terry Tarpey pour remonter cette balle. Il va aller au cercle, Johnson Odom, il n'y a pas de faute sifflée par les arbitres, pas de faute de Bruno Singala Mata. La prise à deux sur Chris Warren, on a retrouvé de l'autre côté Singala Mata. Le tir à trois points réussi par Bruno Singala Mata. Obligé de ressortir là, la bonne défense Mansell Ndoye face à Dante Cunningham. Il a pu se retourner le Sénégalais. Et Singala Mata au rebond offensif. Il n'y en a pas eu beaucoup pour l'OLB en première mi-temps. Et il finit le travail. Face à la bonne défense de Darius Johnson Odom. Et ça va revenir sur Warren. Ndoye qui claque ce dunk. Attention, avantage de taille. Singala Mata face à Terry Tarpey, la bonne défense de Terry Tarpey, il a quand même réussi à en faire le tour, Bruno Singala Mata. Effectivement, il était à 0 sur 2 et à 0 sur 1 à 3 points. C'est la première fois qu'il s'essayait du match, Chris Warren, c'est dire. Chris Warren qui est passé, qui va se mettre ce flotteur. Voilà les premiers points de Chris Warren ce soir. Les monceaux, mais ça ne réussit pas pour l'instant. Un petit peu brouillon là, le Mans depuis quelques minutes. Singala Mata derrière. Attention, attention, attention à l'équipe. Cet avantage. N'était pas loin là, Thomas, sur cette interception. Jérémy Enzeli qui va prendre le shoot, c'est compliqué. Les aime. Et il le met. Les aime, celle-là, il les a toujours aimés, ces tirs un peu compliqués longue distance.